Il pensait que ce serait facile. Ils se croyaient invincibles. Maintenant qu'ils y sont, ils vont comprendre qu'ici, rien n'est acquis, tout se gagne, se mérite. Et qu'au milieu de la nature sauvage, leur vrai point faible, c'est eux. N'oubliez pas, ici, on apprend. Les apprentis aventuriers, c'est nous. Mila est venue seule sans se douter qu'elle va devoir faire équipe avec son ex Julien. Ils sont l'équipe rouge. La galère. Paga, le Marseillais au grand cœur, et la belle Elsa sont tous les deux célibataires et forment l'équipe orange. Ça va trembler, papa ! Doré et Camilla, mariés depuis 4 ans, forment un couple solide et amoureux. Ils sont l'équipe noire. J'ai ça l'odeur de la victoire, moi. Nicolas, le séducteur, et Mélanie, la tornade, ne se connaissent pas et vont devoir former un duo de choc. Ils sont l'équipe rose. Sébastien et Hilary, en couple depuis quelques mois, forment ensemble l'équipe blanche. On va tout casser ! Benjamin va devoir faire équipe avec celle dont il est fraîchement séparé, son ex, Camille. Ils sont l'équipe jaune. Eh, pas belle la vie, on est en Thaïlande, je suis avec toi. Enfin, le couple, Alain et Laura, est venu tester la solidité de leur amour. Ils sont l'équipe bleue. Hey, pourquoi je suis venue ici ? En couple, entre ex ou en célibataire, c'est sur une plage paradisiaque dans le sud-est de la Thaïlande que ces 14 apprentis aventuriers totalement inadaptés à la survie en milieu hostile vont devoir s'acclimater à leurs nouvelles conditions. Allez, on va pêcher, les gars! Ouais! Voilà. Et c'est pas gagné. C'est maintenant qu'il va falloir tout donner! Je suis prêt à tout gagner. Go! Allez! Une fois par semaine, les équipes s'affronteront lors de grandes épreuves dans l'espoir de remporter des perles qui leur permettront d'améliorer leur niveau de vie sur la plage. Bam, bam, bam. In your face. Ah. Wow. Une perle. Ces perles, si durement acquises, sont la seule monnaie d'échange valable à l'épicerie de la plage. Combien ça coûte, ça ? 10 perles pour 2 tomates, mais s'il te plaît. On n'est pas là pour faire un dîner presque parfait. Mangez ! Allez-y, les gars ! Chaque semaine, les apprentis devront tout faire pour remporter ma protection lors de la grande expédition et ainsi échapper aux éliminations. Va à gauche ! T'as trouvé, Mila ? Mais j'ai compris ! Pour les autres, chaque vendredi, il faudra affronter la cérémonie des votes. C'est pas une question de confiance, c'est une question de logique. Ah non. Arrête un peu de parler, c'est bon, tu as 4 votes, c'est bon, ta gueule. Lors de cette cérémonie, les deux équipes qui auront accumulé le plus de votes contre elles devront s'affronter en duel. Pour vous, l'heure est grave. C'est votre dernier espoir si vous voulez rester dans l'aventure. Pour les perdants, l'aventure s'arrêtera sur le champ. Je croise les doigts. Sans perles et sans protection, la vie sur la plage va se transformer en véritable cauchemar. Plus rien. J'ai plus de ration, j'ai plus rien. Sans rien dans une cabane. Même un chien, je le mange. J'en ai marre de bouffer de la merde. J'ai plus de la gueule. Même mon corps, il dit non. Et pour certains, parfois, il ne restera plus qu'une solution. Vas-y, frérot, sonne la cloche. Abandonner en actionnant la cloche. Au revoir. Retour à la maison. Face au danger, l'amour et l'amitié aideront les apprentis à supporter leur nouvelle vie. Service ! Eh, vous êtes en couple ! Mais parfois, la trahison et les stratégies mettront à mal les plus solides promesses. Ça reste entre nous, ouais. Il arrive à te draguer ? Oh, allô ? Oh, tu peux passer pour une... T'es mon patron, toi ? Ferme ta gueule ! Où vont, va ? Là, je suis devant toi, tu vas faire quoi ? Viens. Les ex parviendront-ils à faire une croix sur leur passé pour gagner ? L'amour sera-t-il plus fort que le danger ? Ah bah là, je suis célibataire, les gars. Bah tiens. Plus qu'une compétition, les apprentis aventuriers se lancent dans l'aventure de leur vie. Et c'est ensemble qu'ils vont apprendre à ne jamais renoncer. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs galères.
Bonjour Mila. Allez, viens. Approche-toi. Salut Mounjir. Viens me rejoindre. Ah, mais c'est la là. Ne t'inquiète pas, ça mord pas le pont. C'est parti, ça commence maintenant. Je viens ici pour devenir une apprentie aventurière, mais directement être dans le vif du sujet. C'est la cérémonie d'arrivée, j'ai envie d'être jolie, j'ai encore mon make-up, j'ai pas envie de mouiller mes pieds. Place-toi devant ton drapeau. Mila, quel plaisir de te recevoir ici. Ben merci. Vraiment, toute belle en apprentie aventurière. Moi c'est Mila, j'ai 28 ans et je suis tout sauf une aventurière. La survie, c'est pas du tout pour moi. Je sais pas vraiment ce que je fais là. Sachant que je suis vraiment nulle en épreuve sportive, il faut que mon partenaire soit costaud, surtout s'il doit me porter. J'ai des formes assez généreuses. Je sais que quand il va me voir, il va peut-être prendre peur. Mais malgré tout, je suis sûre que je peux quand même lui apporter quelque chose. Ma plus grande force, clairement, c'est ma détermination. Quand je suis concentrée sur quelque chose, rien ne peut m'arrêter. Pour moi, abandonner, c'est pour les faibles. Et je suis tout sauf faible. Mila, je te remercie d'avoir accepté cette aventure. Alors, quelles sont tes craintes et est-ce que tu t'es entraînée ? Mes craintes, c'est être dans des conditions extrêmes dont j'ai pas l'habitude, sortir de ma zone de confort. Je suis pas une grande sportive, mais je compte sur mon mental. Est-ce que tu es impatiente de découvrir avec qui tu vas faire équipe ? Oui, très impatiente. C'est vrai que ma plus grande crainte, c'est mon binôme, parce que c'est la personne sur qui je dois pouvoir me reposer. Du coup, j'appréhende un petit peu. Il est temps pour nous d'accueillir la deuxième apprentie aventurière. Il s'agit de l'équipe noire. Il s'agit de Camila. J'arrive, je vois direct Mounjir. Et là, je me dis que vraiment, ça y est, on y est. L'aventure, elle commence vraiment. C'est le début des galères, même. Je suis à la fois excitée et un peu stressée aussi de me dire qu'est-ce qui m'attend et comment ça va se passer. Bonjour Camila, allez, approche. Allez, courage, ça tient, il est solide, le pont. Bienvenue. Merci. Un plaisir de te voir ici. Et je vois que t'as pensé aux boucles d'oreilles, c'est parfait. Pour une émission d'apprenti aventurière. La petite touche. Vu qu'on va être coupé de tout moyen qui puisse nous rapprocher de la féminité, tu me dis que ça va être la seule touche qui pourra me rappeler ma coquetterie. Donc oui, créole, je ne lâche pas, Mounjir. Camila, est-ce que tu es impatiente de voir ton mari? Je me demande où il est surtout, donc on va être très impatiente. Est-ce que tu penses que vous allez gagner, Camila? On fera tout pour, en tout cas, après, j'espère. Camila, c'est un plaisir pour moi et je te souhaite bienvenue dans les apprentis aventuriers. C'est gentil, merci. Mila, Camila, il est temps pour nous d'accueillir l'apprentie aventurière de l'équipe blanche. Et voici Hilary, le retour d'Hilary. Bienvenue Hilary. Salut Mounjir. Une revenante. Approche et viens me voir. Ça on adore. Salut ma grande. Yeah. Allez, place-toi sur ton drapeau. C'est parti. Cette année, j'ai décidé de prendre ma revanche parce que dans l'aventure précédente, j'étais venue avec mon ex, Virgile, et c'était catastrophique. Hilary, Virgile, il est temps de retrouver la France. Il est temps pour vous de quitter l'aventure. Et quoi qu'il arrive, vous resterez pour moi de vrais apprentis aventuriers. Merci. Bravo encore. À bientôt. Merci de me dire. Salut. T'as tout fait. Ça va ? Avec Hilary, c'est vrai, on a eu des hauts, des bas. J'ai pas 100% confiance en Hilary, mais j'ai enterré l'âge de guerre et pour moi, quand c'est enterré, c'est derrière moi. Alors Hilary, c'est le retour. Tu étais là il y a 2 ans déjà pour la saison 1. Qu'est-ce qui t'a décidé à revenir ici ? J'ai envie de revenir ici pour faire ma revanche et essayer de vaincre encore plus mes peurs, d'aller encore plus loin et pourquoi pas en finale. En tout cas, Hilary, bienvenue. Merci. Les rouges, les noirs, les blancs, il est temps pour vous d'accueillir la 4e apprentie aventurière de l'équipe orange. La voici. Bonjour Elsa. Allez, bonjour. Approche. Moi, c'est Elsa, j'ai 23 ans et je suis célibataire. Avec cette aventure, je veux vraiment découvrir une nouvelle Elsa. Le côté Elsa romantique, gnangnan, cucus, j'ai envie que ce soit fini. J'ai envie de prouver que je suis une guerrière, que j'ai envie de me battre et que je peux me battre toute seule. Clairement, la survie, c'est pas du tout mon univers. Ok, c'est bon en photo, mais sinon j'ai jamais fait, donc c'est vraiment un gros challenge pour moi. Je pense vraiment qu'ici, je vais en étonner plus d'un, même moi. Sous des proches, je peux me surpasser, je peux faire des choses bien, mais la force physique, c'est pas mes points forts, donc je compte un petit peu quand même sur mon binôme. Mon partenaire idéal, il faut qu'il soit musclé, certes, mais attention, pas de la gonflette, je veux des vrais muscles. Mounjir, tiens-toi prêt, j'ai vraiment envie de gagner et la nouvelle aventurière, c'est moi. Bonjour Elsa. T'as des extensions? Oui, et toi? Ouais, ça me rassure. C'est bon. Ça va, les extensions tiennent?
Oui, mais à la base, c'est pas censé se faire remarquer, en fait. Mais c'est pas grave. Bon, au pire, si vous manquez des cordes là-bas, vous saurez quoi faire. J'y penserai, merci. Moundir, il est drôle, je veux dire. On est hyper sophistiqués. Enfin, Moundir, il s'attendait à quoi? Je sais pas, à des filles venir comme ça, genre Robinson Crusoette? Bah non, en fait. Alors Elsa, oui. Tu sais que cette aventure se fait en équipe, et toi, tu es venue seule. Donc tu ignores totalement avec qui tu vas partager cette aventure. Je sais pas, ça me fait peur. Bah crois-moi, je te réserve une belle surprise. Imaginons que ce soit quelqu'un que j'aime pas, ou quelqu'un bah, avec qui je vais pas m'entendre. Moundir, tes belles surprises, franchement, je m'en méfie. Il est maintenant temps d'accueillir la 5e apprentie aventurière de l'équipe bleue. Ça s'arrête jamais en fait. Une blonde ou une brune? Une brune. Nora, bienvenue! Il vient en courant, déjà prête à affronter l'aventure. Nora, je te présente Elsa d'équipe orange, Hilary d'équipe blanche, Camilla d'équipe noire et Mila d'équipe rouge. Est-ce que tu les connais un peu? Camilla, un peu. Oui. Après le reste, non. Avec Camilla, on a eu des petits différends dans notre aventure précédente. C'est pas trop quitté en bon terme, c'était plutôt le froid glacial. Nora, comment ça va? Très bien. C'est un plaisir de te recevoir ici en tout cas. Plaisir d'être là, pour le moment. Alors Laura, qu'est-ce qui te fait peur dans cette aventure? Peur des serpents, scorpions, tarentules? Non, ça va. Il y en a qui ont plus de mental que d'autres. Ouais, enfin ça reste à voir. Et tu es venue en couple? Oui. Avec ton amoureux, Alain. C'est réconfortant pour moi d'être avec Alain. C'est une épaule. Je pense que ça m'évitera quelques crises d'hystérie. Il est temps pour nous d'accueillir l'apprenti aventurière de l'équipe jaune. Bonjour Camille, allez, approche! Oh, ça commence bien. Moi, c'est Camille, j'ai 21 ans et franchement, je sais pas comment je vais faire pour survivre à cette aventure. Quand on parle de survie, je m'imagine tout sauf le meilleur. J'imagine le pire. Ce qui va être le plus dur, c'est vraiment l'hygiène. Sans gel douche, sans déo et sans brosse à dents, franchement, je sais pas comment on va faire. On va tous puer, ça va être juste horrible. Il va falloir me porter dans cette aventure. Il va falloir me supporter. Mes cris, mes pleurs, mes sautes d'humeur, ça va être juste horrible. C'est vrai que moi, mon partenaire idéal, ben, je pense que ça serait bien mon ex. Ça serait Benji, forcément, parce que ce sera quelqu'un de fort mentalement et physiquement. Maintenant, est-ce que je serai sa bonne partenaire? Ça, j'en doute. Bienvenue dans cette magnifique aventure. Alors Camille, qu'est-ce qui te fait peur en venant ici? Tout, les insectes, tout. Les insectes? Ah ouais, de ouf. Il y en a un petit peu. Ah, j'ai trop, beaucoup je pense. Les apprentis aventurières, il est temps d'accueillir la dernière équipe, l'équipe rose. Moundir! Et voici Mélanie. Voilà. Wow. Moundir! Elle arrive en courant. Hey, go! C'est Mela Knight, j'ai 24 ans et je vais être une grande aventurière. Moi, c'est très simple, je fais cette aventure pour bronzer, maigrir et surtout rencontrer Moundir. Il est célibataire, non? Ma plus grande faiblesse, c'est que ben, je sais pas trop faire grand-chose. Pêcher, faire du feu, faire à manger. Ben, bonjour la difficulté, quoi. Mais ma grande force, c'est que je sais très bien comment faire pour qu'on le fasse pour moi. Si mon coéquipier veut arriver à me faire courir, il a intérêt à être beau gosse, célibataire et viril. Sinon, c'est no way. Dans la vie, j'ai toujours tout ce que je veux. Et là, ce que je veux, c'est gagner. Et je vais pas galérer sur la plage pour rien. Donc, désolé, cordialement, que l'aventure commence. La victoire, elle est à moi. Approche! Oui! Top 5! Joli pyjama! Mais la Knight, elle arrive en pyjama. Je me dis, non, mais c'est une blague, cette meuf, c'est un sketch à elle-même. J'aimerais bien savoir avec qui elle est en binôme, parce que le mec qui va être avec elle va être au bout de sa vie. Je t'aime. Mélanie, bienvenue. Comment ça va? Ça va et toi? Tu vas toujours me parler comme ça? Alors, qu'est-ce qui t'a décidé de venir dans cette aventure? Te rencontrer. Moi, quand j'étais plus, j'étais amoureuse de Moundir. Alors là, le voir en vrai, bah quand même, c'est impressionnant. Donc moi, ce que je veux, c'est juste le regarder, l'observer et me dire, je suis avec quand même l'homme que je voulais quand j'étais petite. Les apprentis aventurières, on va se mettre dans l'ambiance tout de suite parce que la compétition commence immédiatement. Voici les règles de votre première épreuve. À l'heure où je vous parle, vos coéquipiers sont cachés dans la jungle derrière vous. Et pour votre première épreuve, il va falloir les trouver.
C'est un cache-cache. Non mais quand Moundir il nous annonce ça, je me dis mais c'est une blague, mais je sais même pas qui est-ce mon binôme. Comment je vais le trouver dans la jungle en plus? Alors déjà que j'ai eu du mal à sauter la passerelle, mais alors pour retrouver mon binôme, ça va être compliqué. À vos pieds, il y a un sac. Ce sac contient une gourde, une boussole, une carte et un talkie-walkie. Je vais faire quoi avec ça en fait? Mon mec, je le trouve comment? Moi je suis pas devin, je suis pas Einstein, je vais pas savoir le trouver avec un talkie et une boussole. À l'intérieur de cette carte se situe une croix rouge qui indique la localisation de votre partenaire. Le soleil se lève à l'est, mais c'est tout ce que je sais. Ah bah ça va, je suis pas la seule dans la... Vous l'aurez compris, le but, il est très simple. C'est de retrouver votre partenaire le plus rapidement possible et de venir ici avec votre partenaire et surtout le drapeau de votre équipe. Comme vous le savez, tout au long de votre aventure, vous allez vivre dans des cabanes. Vous êtes cette équipe. Mais j'ai un problème. Je n'ai que 6 cabanes. Quoi? C'est une blague. Non, c'est une dinguerie. Vous l'aurez compris, l'équipe perdante de cette épreuve, à savoir la dernière équipe qui me rejoint ici, elle n'aura pas de cabane tout simplement. Pas de cabane, déjà qu'on est en survie. La cabane, c'était, on va dire, le luxe de cette aventure. Et au final, il veut nous l'enlever. C'est hors de question, il faut vraiment que je gagne. Les filles, prenez vos sacs et mettez-vous sur la ligne de départ. Hey, il est lourd le sac. Moundir nous donne notre carte à chacune. Ça y est, ça va être la première épreuve de l'aventure. J'ai surtout, surtout pas envie de me ridiculiser. C'est la première aventure et je vais être dernière aujourd'hui. C'est la honte. Les filles, un bon conseil. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Bon, je suis au taquet, il est hors de question que je perde. Pour moi, la cabane, c'est un toit, un refuge, c'est tout pour commencer bien l'aventure. Si j'ai pas ça, ça va pas le faire du tout. 3, 2, 1, go! Je souffre parce que le sable, ça fait trop mal. C'est horrible, mais je m'en fiche, je veux gagner si je peux déjà attraper de l'avance. Mais t'as une distance avec partenaire, mais je le fais maintenant. Je cours comme une fusée, je dois tout donner absolument et montrer que bon, que même si j'ai des kilos en trop, eh ben la boulette, elle sait courir. Oulala, oulala, oh, Amina. Attends. Faut tirer la corde, je crois. Tire la corde. Attention. Dès qu'on rentre dans la jungle, je vois un radeau. Sauf que les meufs, elles sont déjà toutes dessus. Et moi, je suis à la ramasse, je suis derrière. Ça veut dire que je vais devoir mouiller. Il y a de la boue, j'avais pas prévu ça aujourd'hui. J'ai plus de cartes. Je peux utiliser la carte de quelqu'un? J'ai plus de cartes. C'est pas grave. Je sors du ruisseau, je me retrouve sans carte, sans partenaire et sans dignité. Le rouge! 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 Je suis partagée parce que d'un autre côté, j'ai envie de trouver mon binôme, j'ai envie de courir de partout, mais je me dis, il y a plein de bêtes, il y a un serpent qui peut me sauter dessus, j'ai l'impression que c'est interminable et que je vais jamais trouver mon binôme. Je vais dans toutes les directions possibles, j'ai plus de souffle, je suis au bout de ma vie, mais il est hors de question que je dorme à la belle étoile. En fait, peu importe mon binôme, je veux juste avoir ma cabane. Rouge! Je suis là! Non! Ça va jamais me délivrer. Salut, moi c'est Julien, j'ai 26 ans. On pourrait m'appeler l'Apollon des Sables. Je rigole, mais c'est vrai que chez moi, j'adore draguer les filles, c'est inné, j'ai ça dans ça. Le côté survie, pour moi, je pense que ça devrait aller. Je suis quelqu'un d'assez naturel dans mon quotidien, sauf peut-être la brosse à dents. Regardez ce sourire, je me brosse 10 000 fois les dents par jour. Aujourd'hui, j'ai envie de faire cette aventure pour montrer une autre facette de moi, mon côté sportif, compétiteur, et surtout à repousser mes limites. J'ai mis toutes les chances de mon côté, je me suis surentraîné pour ce programme. Le seul petit hic, c'est ma partenaire. C'est la grande inconnue. Je sais pas si je suis stratège, mais en tout cas, je suis un grand manipulateur. J'arrive toujours à mes fins, comme avec les filles, je les ai toutes. Je vois une paire de tétés comme ça, des fesses comme ça. Mamma mia, je vois ma petite Mila débarquer, qui arrive pas avec le sourire, hein. Ça risque d'être compliqué.
Ah, oh, Julien. Ça fait bizarre de te voir, hein. Mais vite. C'est-à-dire que même, même quand on est plus ensemble, t'es une galère. Je me retrouve face à mon ex. J'ai déjà envie de le laisser sur son cadenas, en fait. J'ai pas du tout envie de le délivrer. Parce que Julien et moi, on s'est séparés dans des mauvais termes. Je me dis que ce serait bien l'occasion de lui faire payer. Mais ce soir, il me faut une cabane. T'es belle. Merci. Même comme ça, t'as pas changé. T'es. Si on trouve pas, on dort dehors. Eh oui, mais j'ai pas d'indice. J'ai aucune envie de dormir sur la plage, déjà même dans une cabane avec si peu de luxe. Je n'ai pas envie d'y dormir, alors dehors, à la Belle Étoile, c'est pas possible. Tous les crabes, tous les scorpions, les serpents qu'il y a, c'est pas possible. J'ai pensé à des trucs simples. Vas-y, mets 2-1. C'est quoi ta date de naissance? Non, c'est par rapport aux lettres. Hilary! Là, je suis là, viens vite! J'ai un truc sur moi, là. Après de longues minutes de recherche, je tombe sur Sébastien. Soulagement. Salut, moi c'est Hilary, j'ai 26 ans. Salut, moi c'est Sébastien, j'ai 25 ans et ça fait 9 mois qu'on est ensemble. Donc alors, vous m'avez déjà vu sur cette plage, j'ai décidé de prendre ma revanche. C'est vrai que ça a été très compliqué, j'étais pas avec le bon partenaire. Maintenant, j'ai décidé de venir avec l'amour de ma vie. J'espère que ça se passera mieux que l'aventure précédente. Pour gagner, je suis pas plus costaud, mais bon, je suis malin, on va miser sur la force des neurones. Le seul petit problème, c'est que l'aventure, la survie, c'est pas du tout fait pour lui, je le connais pas du tout comme ça, moi. J'habite à LA, je vis dans le luxe, j'ai jamais fait de camping, la survie, je connais pas. Mais bon, on va essayer, c'est une aventure, je le fais pour elle. C'est vrai qu'il est vraiment sûr de lui dans la vie de tous les jours, donc ça peut pas plaire à tout le monde, on peut vite se faire détester. Donc j'espère vraiment qu'on aura pas toute la plage à dos. Hein. Ça va être très dur de pas péter un câble face à la difficulté et au manque de confort, mais bon, on n'a pas le choix. Moundir, on arrive, on va gagner. Okay. Sans elle, il serait difficile de communiquer. C'est en les additionnant que vous vous nommez. Sébastien plus Hilary. Et ça va donner des numéros. 1 plus 2 plus 3, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Chaque lettre correspond à un chiffre, mais faut résoudre l'énigme pour déchiffrer le code. Eh, faut un bac plus 5, les gars. C'est trop compliqué pour moi, là. Sébastien, S, ça fait 1. Tu fais le calcul? Je fais le calcul. OK. 1. OK. Tu me retiens 1 plus E. 6. Plus B. 8. Perdu dans la jungle comme s'accrocher un arc. Qu'est-ce que je fous ici avec un cadenas, avec des drapeaux, avec des lettres? Qu'est-ce que je fous ici, moi? Je suis pas prêt pour ça. C'est quoi, ça? Moi, c'est Nicolas, j'ai 24 ans et je vais tout faire pour devenir le nouvel aventurier. Ma plus grande force ici, ça va être mon côté aventurier un peu caché. Les gens pensent pas que je suis comme ça, mais depuis ma plus tendre enfance, j'adore Robinson Crusoe, j'adore construire des cabanes, faire du feu, pêcher, mais survivre, je l'ai jamais fait. Donc je me pose plein de questions. Mon pire ennemi, ça va être moi-même. Sur un coup de tête, je peux tout envoyer valser, je peux tout envoyer bouler. Je suis tellement impulsif que je pourrais même aller taper la cloche. Je connais pas encore ma coéquipière, mais il faut vraiment qu'on soit unis et qu'elle arrive à me canaliser. Maintenant, faut pas qu'elle commence à me parler des ongles, des cheveux, des manucures et des trucs. Je veux pas de ça. On est ici en Thaïlande pour une chose, gagner. Vous me dire, je suis venu ici pour la victoire, je suis pas venu ici pour enfiler des perles. Je rentrerai pas chez moi, bredouille, t'es prévenu. Rose, je suis là. Crie plus fort. Rose, I'm coming. C'est elle. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Ça va être plus compliqué que prévu, là. Oh là là. Je m'aperçois que c'est Mélanie, alias Melanite. Je sais pas si elle est sportive ou pas. Je la vois arriver. Ben, je sais pas comment ça va se passer, en fait. Débrouille-toi. Tu te fous ma gueule ou quoi? Allez, vas-y. Ça va? C'est Nico. Une grande frite belge. Avec un sale caractère. Je suis quand même contente. Nico, il est mignon, il est compétiteur. En même temps, bah, j'ai quand même de la chance d'avoir un beau gosse comme partenaire. Ça fait quand même kiffer. Le canet, il a 4 chiffres. Regarde. Attends. Il faut un truc à 4 chiffres. Rose, essaye rose. R, 9. Bah non, c'est boussole. Quoi? Orange! Team Orange! Hey, oh. Team Orange! Je suis là! Oh, je vais me libérer. Youhou. Salut tout le monde, c'est Paga, j'ai 30 ans et je suis ici pour gagner. Moi, je suis au taquet, j'ai peur de rien. Enfin, si, un peu des serpents, un peu des araignées. J'ai aussi peur du vide, je suis hypochondriaque,
Bon, à part ça, j'ai peur de rien. Ce qui est sûr, que sur la plage, il y aura des mecs plus baraqués que moi. Mais faut pas se fier aux apparences. Je sais quand même pêcher, chasser, draguer. Je sais faire plein de choses. Petit par la taille, mais fort par l'esprit. J'espère que j'aurai une équipière à la hauteur. Pas trop princesse, assez sportive. Mais si elle est jolie, pourquoi pas? Putain, faut que je te détache. Eh ouais, mais j'ai ça. Quoi? On m'a rien donné? Je découvre mon coéquipier, c'est Paga. Je suis rassurée, c'est mon coéquipier, ça va, je valide. Alors... Respire. Sans elle, on ne m'attendais pas à toi. Nos prénoms pour communiquer. Attends, par après. C'est en, les étudiants. J'ai même pas le temps de me présenter. Elle est déjà dans la compétition. En tout cas, elle est très jolie. Peut-être que je suis bien tombée. Sans elle, c'est difficile de communiquer. C'est en les additionnant que vous nommez. C'est en à côté d'autres que vous vous libérez. Je vois une énigme sur son dos. Je vois un tableau avec des lettres et des chiffres. Je dis, mais en fait, c'est pas du tout fini cette épreuve. Nounours ! Alain ! Mais il est où lui aussi ? Alain, écoute ma voix, je suis là ! Je viens de te voir ! Je suis là ! Laura arrive pour me retrouver, je me dis, mais. C'était obligé, on était fait pour être ensemble, on est inséparables, il n'y a rien qui peut nous séparer. Mais une énigme, une jungle, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on arrivera toujours à se retrouver. Salut, moi c'est Laura. Moi c'est Alain, et ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Et là on a décidé de se lancer un nouveau challenge en participant à cette belle aventure. Notre plus grande force, ça va être notre mentalité de winner, parce qu'en fait on a la gagne et on lâche rien. En plus on est sportif, donc les épreuves ça nous fait pas peur. Par contre, il va falloir vraiment qu'on arrive à se mettre d'accord sur tout, parce que bon... On est un petit peu têtus tous les deux, et c'est vrai qu'on a tendance à s'embrouiller pour des broutilles et... Faut qu'on soit unis. Ouais, il va falloir qu'on soit une vraie team. C'est un caractère plutôt tout feu, tout flamme. Hors de question que je fasse la focus sur la plage pour pas me faire éliminer. J'en ai absolument rien à faire. Ça fait pas, c'est pareil. Voilà, je pense qu'on va pas se faire que des amis, mais bon, c'est pas grave. On va les exploser. Exterminer, c'est fini pour eux. On est là pour ça. Ça, c'est une énigme à la con, ça. C'est quoi, c'est nos prénoms, non? Ça fait 5. 5 plus I, c'est 9, ça fait 14. 5 plus 9, 14. Plus N, 14 plus 5, 16. Ok, donc toi, on va dire 16. Ouais, et toi 17. Et moi, c'est 17. Non, c'est pas ça. On prend les prénoms, on additionne, on obtient les chiffres, mais ça marche pas. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, ça paraît logique avec tout le reste, quoi. Donc je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être? Mais ça n'a pas de logique, en fait. Il n'y a rien qu'à de logique là-dedans. Bah, justement. En plus, moi, je suis pas logique. Déjà, à la base, je suis pas une fille logique. Oh. C'est pas possible, c'est un gag. Nénère, j'ai envie de le péter en deux, le cadenas. Ça me gonfle et j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Je suis limite en train de m'arracher les cheveux, quoi. Elle est là, elle fait quoi? Moi c'est Benji, j'ai 26 ans, j'ai un très très gros défaut, c'est que je suis un mauvais perdant. Donc si je suis ici, c'est uniquement pour gagner. Ce que j'aime bien dans cette aventure, c'est le côté dépassement de soi. J'ai envie de voir de quoi je suis capable, me tester, vraiment repousser mes limites. La survie, le plus dur pour moi, ça va être de zapper mon confort quotidien. Je suis très très gourmand, j'adore manger. Point faible, à part peut-être ma coéquipière, je sais pas. Mundir, le mental gelé, j'espère que ma coéquipière aussi. J'ai un seul objectif, c'est la gagne. Prépare-toi, j'arrive. Jeanne, ouais, viens. Ouais. Là, je suis là, je te vois. Tu me suis partout, en fait. Je te jure. Allez, dépêche, allez. On a fini l'Australie séparé. Depuis, on s'est pas trop vu. On se donne des nouvelles, mais que de temps en temps. Est-ce que ça va donner Benji et Camille en binôme? J'en veux plus. Bisous. J'en veux plus. Je suis dégueulasse. Benji, je suis plutôt contente de le retrouver. C'est vrai qu'avec Benji en Australie, on était très complices. Donc j'espère juste qu'on va retrouver cette complicité sur la plage et que ça va nous aider à aller vraiment loin dans l'aventure. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la carte? C'est pas grave. Là, il y a un code. Regardez, je t'explique. On s'en fout. C'est que si on arrive dernier, on n'a pas de cabane. Ah ouais. Déjà que j'avais envie de gagner, alors là, j'ai pas envie de dormir dehors. J'ai pas envie d'être en galère. Donc du coup, ouais, j'ai qu'une envie, c'est de me libérer. J'ai un tatouage dans le dos. Il y a écrit quoi? Il y a marqué quoi? C'est dans les additionnants. Que vous vous nommez, c'est l'un à côté de l'autre que vous vous libérez, libérerez. Attends, bien réfléchir, ça va pas réfléchir. Attends, c'est quoi? Attends. Sans elle, il serait difficile de communiquer, sans elle. Nono! Bébé, t'es où? Allez, championne! Allez, c'est bon, on est dans le game, là, ça commence, je la vois courir en plus, avec ses petites jambes, cours. Je me dis, ça y est, elle est là, ma femme, elle va me délivrer.
Moi, c'est Camilla, j'ai 24 ans. Moi, c'est Noré, j'ai 29 ans. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble et 4 ans que nous sommes mariés. Faire Moundir, c'est un gros défi. J'aime bien me retrouver voilà, sans rien, voir de quoi je suis capable. Tout ce qui est confort, je vais m'adapter. Après, moi, ça risque d'être plus compliqué pour moi, je pense, que pour lui. Je te rassure, chérie, ça va aller. J'ai vraiment ce côté aventurier, mais aventurier du dimanche à Marseille. C'est-à-dire qu'on ne s'est même pas préparé physiquement, mais parce que pour nous, on se dit que tout est dans le mental, en fait. Nous, c'est vrai qu'on a tendance à rentrer très facilement dans la tête des gens. On pratique le sport de l'emboucanage depuis très longtemps, donc ça nous fait pas peur. L'emboucaneur et l'emboucaneuse is back. Il y a marqué quoi? Allez, c'est quoi derrière? Qu'est-ce qui est marqué? Sans elle, il serait difficile de communiquer. Allez, mais allez, allez, on n'a pas le temps. C'est temps, les... C'est... J'aurais pas à lire. C'est pas possible. J'ai dit calme-toi, mais je la comprends pas. Parce qu'elle essaye de dire ce qu'il y a marqué derrière, mais je comprends rien à la fin, je comprends rien. Alors là, je me dis, ça va être le début de la galère. J'ai moins de côté, c'est pas grave. Allez, mon cœur, allez, on n'a pas le temps. On va se mettre c'est dans la lié main. À ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est un code à déchiffrer. Je pige rien, là. Ça va, sans... Ben, sans elle, c'est difficile de communiquer, c'est des lettres, je pense, parce que c'est un féminin, et qu'il y en a plusieurs, et je vois que ça pour communiquer. Tu m'as dit qu'on additionne ton prénom à le mien, c'est ça? Ouais, fais Elsa, tous les chiffres, t'additionnes, plus Paga. Ça fait 10, et moi, c'est 1, 1, 1, 1. Pour moi, la solution, ben, c'est Paga, Elsa. Je regarde les lettres, les chiffres, j'additionne tout, et je trouve 4 numéros. Pour Paga, ça donne le chiffre 16. Et pour moi, c'est Elsa, du coup, donne 10. Tu es gênée. Oh, oh, tu es au paradis. Oh, je ferai des papouilles à manger, ce que tu veux. Ah, mais comment ça sort? Je sais pas. Elle est trop forte. Voilà, elle a un cerveau, au moins ça. Voilà, bébé, le cerveau. Attends. Elle fait un peu de la magie, parce que d'habitude, c'est moi qui prends les choses en main. Et là, j'ai rien fait. J'ai crié, elle est venue, je me suis tourné, bouge pas, bim, bam, boum, pim, pam, poum, hop, donc je suis content. Elle est là, elle en veut. Elle sait ce qu'elle fait. J'ai l'impression que je suis avec Tomb Raider, mais en blonde. Prends le drapeau. Allez, go. Moi, je te dis, c'est un rapport avec les lettres. C'est sûr, viens, ça prend. T'as fait un nouveau tatouage? Oh! On m'a fait un tatouage! J'ai oublié! Depuis tout à l'heure, on aurait pu trouver! Il y a un indice dans ton dos! Non seulement tu m'as fait la misère, mais tu continues en fait! Mais j'ai déjà envie de l'étriper, mais c'est horrible! Sans elle, je fais... sans elle, il serait difficile de communiquer. C'est en les additionnant que vous vous nommez. Ben, j'ai peut-être compris. On va mettre Mila et Julien. Je suis sûre que c'est ça. Il y a un truc à. Oh! Bingo! Dès qu'on y arrive, je suis libéré, mais comme jamais. Et là, j'ai l'impression de revoir voler à nouveau. Même si j'ai jamais volé, mais j'ai l'impression d'être un oiseau. Écoute la mer, écoute le bruit des vagues. C'est là-bas. Écoute! Allez, viens, s'il te plaît, cours. Viens. Oh. Si c'est ça, je te respecte ta vie. Je te respecte ta vie. Allez, ça. Aïe! Ma mère! Mais ça va, t'es un homme, tu vois, tu peux souffrir. Le cadenas. On récupère le drapeau, je porte le sac à dos et là je trace direction la plage, rejoins Moundir. Allez! On arrive! 33 et 7. Ouais. 40, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Ça fait 40? Donc c'est 31 et 40. Oui. On rejoint Moundir et prendre le drapeau. Qu'est-ce qu'on a intelligent? Le canard, il se décroche. Je me dis, c'est la libération, je suis trop contente. Et moi, je pense qu'il y a une chose, c'est Hilary, oublie pas le drapeau. Parce que j'ai pas oublié les consignes de Moundir. Parce que si tu plantes pas le drapeau, bah ça compte pas. Vas-y, go, allez. 4, essaye 4. 4, 6. 4, 6, 9. C'est pas ça, Moundir. C'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends. Sans elle, on peut pas communiquer. Sans elle, on peut pas communiquer. La voix, les voix. Qui va dormir par terre? C'est vous, c'est vous. Qui va dormir par terre? C'est vous et c'est pas nous. Ouais! Je vois Nico, le Belge. Nico, le Belge. En 30 secondes, il est parti. T'es un teubé ou quoi, Benji? T'es bête? T'es un idiot? Je comprends rien, j'ai envie de pleurer. Attends, c'est quoi le dernier truc? C'est l'un à côté de l'autre que vous vous libérerez. L'un à côté de l'autre que vous libérerez. Je vois pas. L'un à côté de l'autre. Camilla Noré, essaye. Compte combien fait ton prénom et compte combien il fait moi le mien. Moi, j'ai fait 4, moi. Non, compte ton prénom entier. Ah oui, bien joué. Moi, j'ai confiance en ma femme, je sais qu'elle est intelligente. Elle, c'est la voilà, la force tranquille. Donc, quand elle commence à réfléchir dans sa tête, là, je me dis, oh, tiens, quelque chose. Bien joué, tiens, monstre.
Allez. Bébé, yes, allez, mon chiffre. Quand le canaille s'ouvre, mais ça y est, j'ai qu'une envie, c'est de courir. Ça fait 3 heures que je suis attaché à l'arbre, ligoté. C'est bon, j'ai plein de vite de courir, de gambader dans la jungle. Allez, fonce. Allez, on continue. C'est pas où. Okay, donc je pense que c'est le calcul qu'on a fait en fait sur nos prénoms qui est pas bon, il faut calculer d'une autre façon. C'est 19 le mien, merde, je suis con. C'était 19 le mien. C'est une blague en fait. C'est une blague. Non, ça fait 2 heures qu'on galère parce que monsieur a mal additionné son prénom. Eh ben on n'est pas sorti de l'auberge. Tu vois, c'était ça. C'était ça. Alors attends, on est dans la merde parce qu'il faut retrouver là-bas maintenant. Bon, on va passer la nuit ici, on sait pas. C'est bon, on est dernier, c'est bon. Allez. On vient réfléchir. J'ai tout cassé là. J'ai tout cassé. Une galère parce que. Je sens que. Honnêtement, j'ai tout essayé. Pour moi, là, à ce moment-là, j'ai tout essayé. C'est mort, on ne trouvera pas. Perdu pour perdu, bah, je me libère. On n'a pas de cabane, c'est un cauchemar. Benji, il retire son cadenas, foutu pour foutu, ben voilà, tant pis, triche, et puis... On n'allait pas passer la nuit dans la jungle quand même. Je veux pas de cabane, mais bon, je préfère dormir sur le sable que dans la jungle. Tu reconnais quelque chose ou non? Non. Ben alors viens, retourne au chemin. Je marche pas dans cette boue dégueulasse. On est dernier ou pas? Bah, c'est sûr qu'on est dernier. Allez. Allez, s'il te plaît, Mila, oh, j'irai chercher à manger, viens. Approchez! Vous êtes les premiers, Elsa! Voilà. Vous voulez croire que j'ai une coéquipière intelligente? Bravo! Voilà, bravo, Elsa! Bravo! Tu réalises qu'on est les premiers, il y a des gains. Premier jour, première épreuve, première fille assez mignonne qui me libère, premier au classement. Cette ambiance. Viens mettre le drapeau ici! Salut Paga! Alors, un plaisir de te voir ici, mon ami. Bravo, Paul. Eh bien, bravo. C'est grâce bravo à elle. Princesse. C'est pas grâce à moi. Excellent. Mettez-vous sous votre drapeau. Bravo, je suis fier de toi, Elsa. Bravo. Je suis juste trop fière de nous, trop fière de moi. Je suis trop contente. Bravo. Enchantée. Enchantée. Ça va? Oui, ça va. Yes. Trop bien. Je te découvre et on gagne. Je vois que tu as un cerveau, ça me fait plaisir. Bravo, je suis content. Elsa, elle est belle, elle est douce, elle a l'air d'en avoir dans la tête. Et surtout, quand on est enfermé dans la cabane en binôme, forcément, ça rapproche, ça crée des liens encore plus forts. Merci, petit Jésus. Wouh, on est deuxième. Blaga, blaga. Je suis mon amour. Je suis. Oui. Oh. Ouais, ça, c'est un homme. J'aperçois Elsa et Paga qui sont arrivés avant nous et qu'il n'y a personne d'autre. Je vais avoir ma cabane. Bravo les roses! Nicolas! Et mets-moi le drapeau de ton équipe dans le socle! Content de te voir, Nicolas. Ouais. Salut, champion. Ça va bien? Ouais. Bel effort, bravo, Mélanie. Mon petit Poggy, je suis très très content d'être avec lui. Franchement, c'est comme un frère pour moi. Je sais très bien que ça va être un appui de taille et je pense que l'aventure commence sur de meilleurs auspices. Allez, mon cœur, s'il te plaît! Ça y est! Mais on y est de toute façon, Noré! C'est bien, Camilla! Allez, parfait! Bravo, Noré, bravo, Camilla! Camilla, venez ici, venez poser votre drapeau dans le socle! C'est bien, ma grande! On commence très très bien l'aventure, on est motivé à bloc. En plus de ça, on est la team noire, autant dire les All Blacks. Les All Blacks, ils vont faire à tout le monde au rugby. Nous, on va faire peur à tout le monde sur la plage, pas le choix. Allez, Hilary! Bravo! C'est bien! Je vois qu'on arrive en quatrième position derrière les oranges, roses et noirs, Camilla Nori, qui sont mes amis. Je suis persuadé qu'on pourrait être des amis. Allez. Allez, Mila. Là. Allez. Derrière le 50 plantes. Allez. Tiens-le. Viens avec moi.
C'est la dernière ligne droite. Main dans le dos. Allez, Mila, allez, allez, je l'encourage comme je peux, alors que ça fait des mois que je ne l'ai pas vu. Mais maintenant, on est ensemble. On met toutes nos rancœurs de côté et on donne tout. C'est Berthe. Ouh, j'adore. Eh, ça sent les histoires, les stories, les ex de retour. Bravo, Mila, c'est bien. Posez le drapeau sur le sol. Bravo, Julien, bel effort. Salut, champion. Ça va. Bravo, Mila. On est cinquième. Si un jour on m'avait dit que je sauterais de joie pour une cabane, franchement, j'y aurais jamais cru. Mais là, je suis juste trop contente. Enfin, moi, Mila, je suis pas la dernière. Cours. Fini, fini, en courant, Laura. Quand j'arrive sur la plage, je vois qu'on n'est pas les derniers. Donc là, j'ai le sourire, j'ai le smile. Je me dis, super, c'est bon, c'est pas pour nous de dormir dehors. On est bon, on l'a, notre cabane sur la plage. Génial. Le drapeau, il est où? Hé, hey, le drapeau! Ils ont pas le drapeau. Oh, c'est guignol. On l'a oublié là-bas. On va aller prendre le drapeau. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, le drapeau. Je me dis, c'est pas possible. Ça peut pas nous arriver, en fait. Moundir qui nous demande, il est où le drapeau? Ouais. Ben, le drapeau, ben, il est resté dans la jungle. Dépêchez-vous! Laura, reste! Tu vas te fatiguer! Les zigotos, ils ont oublié le drapeau dans la jungle. Donc, du coup, ils doivent se retaper le chemin inverse, rechercher le drapeau. Il reste Alain, Laura, Benji, Camille. Ben, c'est la chaise musicale, là. Il y a deux binômes pour une seule cabane. Vas-y, hein. Faut y aller sans moi, normalement. Et voici la dernière équipe. Mais quel retournement de situation. Eh ben, ça commence fort. Je vois l'équipe jaune arriver. Et là, je vois un tout petit homme avec une queue de cheval en arrière. Mais attendez, je le connais ce mec-là, là. Mon pire ennemi. Benjamin, on a eu plein de problèmes à l'extérieur. Il a voulu draguer Hilary, qui est ma copine, alors qu'il savait qu'on était en couple ensemble. Mais en fait, tu vas pas durer longtemps sur cette plage, hein. Allez, Benjamin! Benjamin, pose-moi le drapeau sur le socle, à côté du rouge! On arrive devant Moundir. Avec Benji, on est soulagés. On se dit clairement qu'on a bien fait de pas traîner, en fait, dans la jungle, de casser le canard. Et voilà, c'est vraiment un grand soulagement. Bravo, vous êtes la dernière équipe! À voir la cabane. Ah, bravo. Vous savez le bol que tu as, frérot. Il a reçu une encore. En fait, les autres, ils ont oublié leur drapeau. Les autres, c'était avant vous. De toute façon, il était un signe de guerre. Il te fait pas la bise, il te fait pas la bise. Même pas un check. Benji, sache que si tu déclares la guerre à Seb, Seb va te la faire, en fait. Là, pour le coup, cette aventure, elle craint de ouf. Ça va très, très mal démarrer. J'ai peur de quand on va arriver sur la plage. Ça va partir en cacahuète, quoi. Oh, ça se voit ? En fait, le Seb, il fait que parler de moi. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais parlé. Je pense qu'il se doutait vraiment pas que j'allais venir. Donc du coup, là, à mon avis, il flippe un peu sa mère. Et je vais lui parler. Quand je vois qu'il y a Sébastien dans l'aventure avec Hilary, je suis énervé de voir sa tête. Sa tête, là, rien que sa tête. Ça me met la haine. Mais je me dis au fond de moi quand même que je suis content qu'il soit là parce qu'au moins, voilà, on va pouvoir aller un peu parler entre hommes. Allez les bleus, bel effort! Pas de cabane à vie, je suis complètement dégoûtée, bah, dépitée, voilà quoi. Je me dis, ben, mon aventure, elle commence super mal. Les Bleus, vous arrivez dernier. Il faut venir ici, certes, avec son équipier, mais avec le drapeau. Alors, qui a oublié le drapeau? On va dire que c'est les deux, c'est avec le stress, on a été étourdis, et voilà, en fait, on a voulu aller plus vite que la musique, et... C'est franchement le pire scénario que je pouvais imaginer. C'est la descente aux enfers. Et je commence à me remettre en question, à dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'arrive même pas à trouver d'énigmes, à prendre un drapeau. Le premier jour, qu'est-ce que ça va être demain, quoi? Et à aucun moment, lors de votre retour, vous êtes dit, il nous manque quelque chose? Franchement? Ouais. Non. Comme on dit, on va apprendre de nos erreurs et essayer de faire mieux dans l'avenir.
J'ai un petit peu de peine pour eux, mais bon, après, c'est une compétition, hein. Si ça peut les fatiguer un peu plus pour la semaine, c'est bon à prendre. Les Bleus, vous le savez, la dernière équipe à arriver ici n'a pas de cabane. Alors par contre, écoutez bien tous. Ici, la triche, je ne l'accepte pas. Je me retourne vers vous, les jaunes. Le code, vous ne l'avez pas trouvé? Non. Pourquoi vous avez fracturé le cadenas? En fait, je crois qu'on va avoir une cabane, chérie. J'ai pas fracturé le cadenas. J'ai réussi à enlever le nœud de mes mains. C'est une blague. J'ai enlevé délicatement, quoi. Là, je me dis, ah, c'est le petit Minimoz qui a triché, là? Pas de soucis, fais-le dormir sur la belle étoile, y a pas de problème. Là, je suis trop content, je me dis que mon pire ennemi va dormir dehors et souffrir. J'ai un avantage sur lui. Les jaunes, en ne trouvant pas le code, vous n'avez pas respecté les règles du jeu. Alors c'est vous qui n'aurez pas de cabane. Les Bleus, vous avez une cabane? Alain, approche. Tu vas me retirer le drapeau jaune et tu vas mettre le bleu à ta place. Ouais. Franchement, c'était mérité. Là, je me dis, ben, il y a une justice, en fait. Oui, certes, on a oublié notre drapeau. Mais à la base, c'était notre place. Et la place, on la récupère. Ainsi que notre cabane. Les jaunes, et l'aventure commence très mal pour vous. C'est qu'un détail. Donc ça veut dire ce soir, c'est la belle étoile. Et croyez-moi, ici, le soir, c'est un autre monde. Ok, y a pas de souci, je prends le fait que qu'on n'ait pas de cabane, y a pas de problème. Mais par contre, c'est vrai que le mot tricheur, ça me reste un peu en travers. Il est temps pour moi de vous rappeler les règles du jeu. Sur la plage, il n'y a qu'une seule monnaie d'échange. Oh, le César. Les perles. Alors ces perles, vous allez pouvoir les acquérir durant les épreuves de la semaine. Plus vous remporterez d'épreuves, plus vous serez riche en perles et meilleure sera votre survie à l'épicerie de la plage. Donc, il va falloir vous surpasser et gagner un maximum d'épreuves si vraiment vous voulez être tranquille. Si t'as des perles, forcément, tu es bien vu, forcément, tu fais peur, forcément, tu as plus de chances d'arriver en finale, forcément, tu peux manger, donc forcément, tu te sens bien mentalement et physiquement. Je vais aussi vous offrir la possibilité de remporter ma protection pour la cérémonie des votes lors des expéditions. Cette épreuve aura lieu chaque semaine. Et vous allez vivre des expériences inoubliables. L'équipe qui aura ma protection, personne, et je dis bien personne, ne pourra voter contre elle lors de la grande cérémonie des votes de vendredi soir. Moi, mon objectif numéro un, c'est même pas, on va dire, les perles, c'est plus la protection de Mundir chaque semaine. Comme ça, au moins, par rapport au vote, je mets mon duo en sécurité. Les apprentis aventuriers, il est temps pour moi de vous laisser. Par contre, on se retrouve tout à l'heure pour votre première épreuve afin de gagner vos premières perles. La plage, c'est par là-bas. Je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite bon courage. À tout à l'heure, bravo pour vos efforts. Méchant, on a gagné. Ça y est, Mundir a planté le décor. On part découvrir les cabanes. Je sais pas ce qui nous attend au bout de cette plage, mais on n'est pas au bout de nos surprises. L'aventure commence maintenant. Ah bah tu sais quoi? C'est magique. Et on est voisines, on est voisines. Oh là là, la cabane. On avance direction nos cabanes. Alors certes, la plage elle est belle, mais je veux dire, y a rien, y a pas un transat, y a pas un parasol, y a pas un bar, y a rien. J'ai l'impression que je suis en enfer. Mais c'est quoi ça? C'est vraiment rustique, rustique. Hein. C'est la misère. Ça marche? On dirait une cabane de jardin. Les cabanes, c'est trop moche. On dirait une cabane de plage pour pêcheurs. Enfin, moi, j'ai pas envie de vivre ici, quoi. Bienvenue à la maison, bébé. Arrête. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle merde. C'est une blague. Bah, déjà, on va coller les lits. Non, mais Julien, arrête, s'il te plaît. Viens, non, mais Julien, arrête, s'il te plaît. T'as vu, je suis en couple. Mais on peut se respecter quand même. Non, mais non. Je vais dormir tout seul de mon côté. Ouais, et tu trouveras une autre fille sur le camp. Tu me laisses en ramener une ici au cas où? Ouais, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas. Tu fais ce que tu veux. Julien, c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. J'ai mis du temps à me reconstruire. J'ai rencontré quelqu'un de formidable entre temps. Et franchement, je ne ferai rien pour mettre mon couple en péril.
Vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de « je viens tester mon couple ». Moi, je suis sûre de ma relation. J'aime mon homme à 100% et je veux dire, si Julien s'imagine quoi que ce soit, en fait, c'est mort. Oh, regarde les trous qu'il y a, là. Oh, mon Dieu. N'importe quoi peut rentrer et marcher sur le parquet, là. Non, mais là, j'ai envie de pleurer. Hein. On dirait que je suis dans un musée, genre. C'est quoi, ça? Ah ouais, vas-y, regarde. Non. C'est la bouffe, c'est ça. Le riz. Ça, c'est la nourriture. Ça, c'est ça. Ça sent comme ça pue. Sent. Ça sent le cheval. Non, mais c'est hyper vétuste, quoi. On a le strict minimum. Il n'y a même pas de miroir. Je sais même pas à quoi je vais ressembler. Il n'y a rien. Il n'y a même pas, je sais pas, un petit truc genre toilettage, genre une petite brosse à dents, un petit truc mignon. Rien. Non. Oh non, mais Dora l'exploratrice, c'est pas moi. Bon, tu sais qu'il va falloir s'associer un peu avec les autres, là. Hein. Il faut penser à ça pour rester là. Déjà, il faudrait aller chercher la nourriture. Eux, là, les petits Marseillais. Là. Ils vont tous se mettre ensemble. Et on va scoltiner le Californien, là. Même si Nico, c'est un Belge, mais il est tellement avec les Marseillais que pour moi, c'est un Marseillais. Je me rends compte qu'ils sont trois et qu'il va falloir faire des alliances. C'est un jeu où il va y avoir des éliminations, des nominations. Donc bon, je pense déjà stratégie alors que ça fait une minute que Mundia a commencé, mais je suis venu pour gagner. Merci, monsieur. Allez-y, peut-être tu vas dormir là. Toi, peut-être aussi, c'est gentil. C'est de toute beauté. Chacun rejoint sa petite cabane par rapport à sa couleur. Et voilà, juste avec Elsa Orange. Mais je vois mon fraté Benji, il est tout seul. Je peux pas le laisser en galère. Bienvenue chez nous. Attends, j'ai une question. Donc ça, c'est Lélie. Non, mais alors, je t'explique déjà pour commencer. Elsa, est-ce que tu es d'accord qu'on rapproche un peu Lélie quand même? Parce que là, déjà tout seul ici sur une île, mais aussi loin, je vais être angoissé. Hein. De toute façon, on est quatre, donc la question se pose pas. Vous aimez tuer. C'est très bizarre. De toute façon, on est quatre. Non. Tu vois, une île comme ça, non, on est bien accueillis. On vous invite chez nous. Voilà. Mais si on est invité, on accepte avec plaisir. Je me languis déjà qu'une chose, c'est qu'il y ait une équipe qui parte pour récupérer la cabane. Parce que non seulement on n'a pas de cabane, on n'a pas de machette, on n'a pas de filet, on n'a rien. On n'a rien, donc du coup, Paga va devoir partager avec nous. Du coup, c'est gênant. C'est gênant. Même le riz, on n'a pas de riz, on n'a rien. J'ai l'impression qu'on est des chiens errants avec nous. Oh là 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 là. On va pas dormir là-dessus quand même. C'est grand, c'est beau, non? On a des fenêtres et tout. Non, mais tu m'as dit qu'on avait des matelas. Bah, à mon dire, il a pas été très gentil. Waouh. Mais c'est pas un matelas en fait. C'est un tapis qui est fin comme une feuille. Il y a ça. Je peux pas vivre ça. C'est un cauchemar en fait. Toi, tu m'as dit qu'il y avait un matelas, il y a pas de matelas. Bah, en fait, je t'ai dit qu'il y avait un matelas parce que sinon, tu venais pas. C'est un truc de ouf. Mais non, mais moi, regarde, on dort à deux. Je te conseille qu'on empile déjà les paillasses, là. Ça fait une épaisseur. Wow. Bon, j'ai pas été très honnête. Je lui ai dit qu'il y avait un matelas, que voilà, le confort, t'inquiète pas. Franchement, il y a du confort, hein. On va jamais mourir de faim. Enfin, vraiment, je l'ai mis en condition, comme si... Limite si elle est en vacances. Je lui ai menti sur toute la ligne. Alors, heureux? Bon, en fait, je lui avais dit qu'il y avait un matelas. Parce qu'elle m'a dit qu'il y avait un matelas. Tu sais que là, t'as perdu complètement confiance en moi. Plus jamais je te passe. Plus jamais je te donne ma confiance. Frère, c'est impossible de dormir là-dessus, frère. On me dit qu'il y a un matelas depuis le début. Ça, c'est un truc, c'est même pas un truc de chien. C'est un truc de même pas d'homme préhistorique. C'est un truc de dégueulasse. Quand je vois dans la cabane que Seb, il est hyper choqué, je m'attendais pas à, en fait, les réactions de princesse. Je m'attendais pas à ce que Seb, en fait, fasse la princesse dans cette cabane. J'ai peur qu'il aille sonner à la cloche, en fait. Mademoiselle, votre palace. Oh. Ouais, c'est franchement stylé. Ça passe crème, je te jure. Tu vois que ça passe crème? Dans la cabane, il n'y a pas de lit, pas de coussin, pas de frigo, pas de cuisine. Pas de douche, surtout une baignoire. Mon séjour va être très long. Mais je vais te bourrer ton matelas. Hein. À quoi? Je vais te bourrer ton matelas, tracasse. Je vais t'aller te chercher des arbres et tout, et je vais te les mettre dedans. Allez. Je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai toujours aimé faire des cabanes. J'ai ce côté un peu aventurier en moi. Et alors là, directement, ben, je m'occupe de mon logement. Parce que c'est peut-être une cabane, je vais vivre plusieurs semaines dedans. Il faut qu'elle soit agréable et surtout confortable. Bon, moi, si vous voulez, je vous propose quelque chose. Ceux qui ont des problèmes de matelas, etc.,
Je vais aller prendre des feuilles de palmier, je vais faire des beaux matelas. Allez, celui qui veut. Allez, viens, mon petit Seb. Allez, voilà. Je te sens que t'es motivé. Allez. Poggy, allez, go. On prend les serbacanes, là, les trucs, là, les liades. Attends, juste, hé. Juste, je vais aller dire à Benji qu'il peut pas rentrer dans la cabane. C'est pour quelle raison, même s'il dort dehors. Okay. Sébastien décide d'aller voir Benji. Et là, je me dis, merde. Benji m'a fait des avances quand j'étais à LA chez mon copain. Ça n'a pas du tout plu à Sébastien, ce qui est normal. Enfin, je sais que ça va partir. Les gars, poussez-vous, je passe. Il va rester passer. Je passe, je vais prendre des feuilles de palmier. Mais on va parler seul alors, pas devant du monde. Très rapidement, j'ai même pas le temps de poser ma valise, et là que Seb vient me voir. Ça fait deux mois qu'il parle de moi, donc je sais très bien ce qu'il va me dire. Mais par contre, lui, il sait pas ce qu'il attend. On est parti la même aventure ensemble. Tu me vois partir en hélico avec elle, je suis heureux. Un mois après, je vois quoi? Je vois que tu lui envoies un message sur... Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et là, tu dis quand je vais voir Seb, je vais le monter en l'air. Et là, je suis devant toi, tu vas faire quoi, frérot? Tu t'es foutu de ma gueule. T'es un hypocrite, me pousse pas, frérot. Toi, t'es un hypocrite. Et depuis deux, t'es un hypocrite depuis que je suis avec Hilary, t'es un hypocrite. Je sais que Benjamin a envoyé des messages à Hilary, car quand elle était chez moi à Los Angeles et qu'elle dormait, je lui ai pris son portable et j'ai vu tous les messages de Benjamin. On aurait dû se mettre ensemble, tu es belle. Non, mais oh, c'est ma meuf, t'es fou quoi? C'est le seul mec qui m'a manqué de respect, qui a fait le faux. Je suis tellement heureux pour vous et qu'après qu'on voit un message à Hilary, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Tu fais des crottes monsieur à Marseille, j'en ai rien à foutre. Donne-toi un spectacle, donne-toi un spectacle. Maintenant, je vais te dire un truc. Premièrement, si aujourd'hui tu es avec Hilary, c'est grâce à une personne, c'est grâce à moi. Maintenant, je vais déballer mon sac parce que toi, je t'ai donné un spectacle jusqu'à présent. Maintenant, je vais parler un peu parce que moi, je parle pas. Donc, moi, j'attendais d'avoir ça. Ça serait bien que tu parles. Non, parce que si tu es un homme, si tu es un homme, viens me parler à moi. Si vraiment tu es un homme et que tu penses tout ça, viens parler à moi. Vas-y, t'es un homme. Si toi, tu es un homme, si toi, tu es un homme. Ça fait plusieurs mois, j'attends. Au States, tu sais, quand tu es au States dans ton building, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Allô, tu dragues ma meuf parce que moi, si un mec drague ma meuf, je l'appelle. C'est simple. Hilary me fait du rentre dedans à chaque fois qu'elle est plus avec elle. Et donc, du coup, moi, je rentre dans son jeu. Sauf que il y a des fois où ils se remettent ensemble sans qu'elle me le dise. Donc du coup, elle tombe sur des messages où on se cherche un peu avec Hilary. Et c'est moi le fautif. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu es avec elle aujourd'hui, ouais, c'est grâce à toi. Voilà. C'est vrai, Hilary, c'est vrai. C'est pas grâce on se cherchait à toi. Ou pas? On devait partir à oui, Barcelone coup, et se rapprocher. Et se rapprocher ensemble. Sauf que... C'est à Barcelone, c'est quoi Barcelone? Tu as vu, on est parti à Saint-Tropez. Ouais. On devait partir à Barcelone à la base. Et on devait partir ensemble. Et Hilary et moi, on était très proches. Et j'ai refusé de partir à Barcelone. Donc, je te dis un truc. Aujourd'hui, Hilary. C'est pas grâce si elle à avec... toi, arrête, Benji. D'accord, écoute. Après, voilà, vous êtes amoureux de moi. Non, mais enfin, et maintenant, je vais te dire un truc. Tu crois que quand vous vous séparez tous les mois, c'est qui la ramasse à l'appel? On ne vous sépare pas tous les mois. On s'engueule comme tous les couples. Voilà. Donc, maintenant, si tu vois qu'elle reçoit des messages de moi, pourquoi tu lui poses pas des questions, hein? Oui, je viens de lâcher Seb. Il est à l'aéroport, il va rentrer à LA. Plus jamais je veux le voir. De toute façon, nanana. Bah oui, parce que t'es mon ami. Pendant une heure et demie. Parce que t'es mon ami. Oui, je suis ton ami. En fait, on est potes à la base. Ton ami. Bah, bien derrière, sûr, en fait. On parle mais derrière, sur un si elle reçoit des messages comme ça, c'est pas d'un coup par hasard. Non, mais c'était bien avant. On parle pas de il y a un mois. Pour toi, donc pour toi, te kiffe un peu. Il y a un truc entre vous deux. Oui, à l'époque, oui. Là, je suis trop déçue du comportement de Benjamin. Lui qui était censé être mon ami, maintenant qu'il va dire que je le chope, c'est se foutre de moi, quoi. Je veux juste comprendre, moi je veux juste comprendre. Moi je sais on pas. On s'est déjà embrassé avec Hilary. Quand? On s'est déjà embrassé. Et quand? En Corse. Elle te l'a déjà dit? Non. Oh là là, boulette. Waouh. Mais pourquoi tu m'as pas dit, Hilary? Mais c'est un truc de dingue. Humiliation complète, mon ego il en prend un coup. Boum. Et franchement, je me dis, qu'est-ce que je fous sur cette plage? Même mon binôme n'est pas fiable. On voit pas de message à des filles qui sont en couple. Respecte. Mais tu es qui? Sois un homme. Tu sois un homme. Tu es personne. Sache-le, tu es personne. C'est ça ta répartie? Oui, tu es personne. Dis, tu es mon ami? Tu es mon ami? Non, je suis pas ton ami. Elle m'envoie un message, je lui réponds. Et alors, elle est en couple? Respecte les gens en couple. Mais je m'en bats les plus avec toi. Mais gros, elle est en couple avec toi. Parce que t'es un mec. Mais jamais je te respecterai. Jamais. Tu respectes personne. Donc là, toi et moi, je sais très bien. Je parle plus. Mais tu as jamais été personne. Tu as jamais été personne. Tu seras jamais personne. Je me défends comme je peux. Même si au final, celle qui est en tort, c'est Hilary. Elle aurait dû m'en parler. Elle m'a humilié tout simplement et je lui en veux énormément. T'es pas bien, toi tu galères. D'accord. Et toi, t'en veux des meufs. Quand j'invite ma femme au restaurant, je paye ma part. Bah, moi je paye ma part. Oui, mais pas celle de ta femme. Ah, ça va en fait. Hein. Oh. Par contre, toi qui vas l'embrasser alors tu me dis pas. Ça fait deux mensonges. Pas. Mais oh là là, les gars, je me suis mis mais plus qu'une balle dans le pied là. Sébastien, Hilary, équipe blanche, arrêt de mort. Signé dès l'arrivée sur la plage. Oh les gars. Pourquoi ça tombe sur moi? À
Allez les aquatiens ensoyés, approchez. Voilà Moudji, bravo, elle pleure. Bah, on est dans le game, on est super motivé. Qui dit victoire dit mangiare. Allez, restez concentrés. T'en as rien à faire de moi. Vu tout ce que tu me caches, ouais, commence à avoir ras-le-bol de ta gueule. Vas-y, abandonne. C'est horrible de se faire rejeter par son mec. Je me suis fait une. C'est Donald Trump, ce mec. C'est personne. Ça va être le début des problèmes. C'est qu'à chaque fois que vous séparez, c'est moi qui viens voir. Dans quelle galère je me suis fourrée. Yeah. Allez, Litry. À vous dormir, à vous dormir. On remet les choses. On est en survie, bébé. Ah ouais, Paga, il a pas le temps. Allez, dedans, sur le cul, là. Voilà. J'ai vu des tutos. Ça marche pour vous? Ça prend pas. Elle cherche de ouf. Tu es avec ton mec ou en fait t'es plus avec dedans? Attends, mais je fais la merde. On est dans une survie, hein. Je me sens un enfoiré de faire ça. Mais c'est un jeu.